Un cours en miracle, 133 chapitre 16.2. Le pardon des illusions. 2. La puissance de la sainteté. Tu penses peut-être encore que la sainteté est impossible à comprendre, parce que tu ne peux pas voir comment elle peut s'étendre jusqu'à inclure tout le monde. Et il t'a été dit qu'elle doit inclure tout le monde pour être sainte. Ne te préoccupe pas de l'extension de la sainteté, car tu ne comprends pas la nature des miracles. Pas plus que tu ne l'es fait. C'est leur extension, bien au-delà des limites que tu perçois, qui démontre que ce n'est pas toi qui l'es fait. Pourquoi devrais-tu t'inquiéter de la façon dont le miracle s'étend à toute la filialité, alors que tu ne comprends pas le miracle lui-même? Un attribut n'est pas plus difficile à comprendre que le tout. Si tant est qu'il y a des miracles, leurs attributs doivent être miraculeux, puisqu'ils en font partie. Il y a une tendance à fragmenter, puis à se préoccuper de la vérité d'une seule petite partie du tout. Et cela n'est qu'une façon d'éviter le tout, ou d'en détourner ton regard, pour le poser sur ce que tu penses être plus à même de comprendre. Car cela n'est qu'une autre façon d'essayer encore de garder la compréhension pour toi. Voici une meilleure façon, et bien plus utile, de penser au miracle, tu ne les comprends pas, ni en partie ni en entier. Or c'est par toi qu'ils ont été faits. Par conséquent, ta compréhension ne peut pas être nécessaire. Or il reste qu'il est impossible d'accomplir ce que tu ne comprends pas. Ainsi il doit y avoir quelque chose en toi qui comprend. Le miracle ne peut pas te sembler naturel, parce que ce que tu as fait pour blesser ton esprit l'a tellement dénaturé qu'il ne se souvient pas de ce qui lui est naturel. Et quand on te dit ce qui est naturel, tu ne peux pas le comprendre. Reconnaître la partie pour le tout, et le tout dans chacune des parties, est parfaitement naturel, car c'est ainsi que Dieu pense, et ce qui lui est naturel t'est naturel. Une perception entièrement naturelle te montrerait instantanément qu'un ordre de difficulté dans les miracles est tout à fait impossible, car cela comporte une contradiction de ce que les miracles signifient. Et si tu pouvais comprendre leur signification, leurs attributs ne pourraient guère te rendre perplexe. Tu as fait des miracles, mais il est bien évident que tu ne les as pas faits seul. Tu as réussi chaque fois que tu as rejoint un autre esprit et t'es joint à lui. Quand deux esprits se joignent pour ne faire qu'un et partagent une même idée également, le premier maillon a été fait dans la prise de conscience de la filialité ne faisant qu'un. Quand tu as fait cette jonction, comme le Saint-Esprit t'enjoint de le faire et la lui as offerte pour qu'il l'utilise comme bon lui semble, sa perception naturelle de ton dos lui permet de la comprendre et te permet d'utiliser sa compréhension pour ton bien. Il est impossible de te convaincre de la réalité de ce qui a clairement été accompli par ton désir, tant que tu crois que tu dois le comprendre, sans quoi ce n'est pas réel. Comment la foi en la réalité peut-elle être tienne tant que tu es résolu à la rendre irréelle? Es-tu réellement plus en sécurité en maintenant la réalité des illusions que tu ne le serais en acceptant joyeusement la vérité pour ce qu'elle est, et en rendant grâce? Honore la vérité qui t'a été donnée, et réjouis-toi de ne pas la comprendre. Les miracles sont naturels à celui qui parle pour Dieu. Car sa tâche est de traduire le miracle en la connaissance qu'il représente et qui t'est cachée. Que sa compréhension du miracle te suffise et ne te détourne pas de tous les témoins qu'il t'a donnés de sa réalité. Aucune preuve ne te convaincra de la vérité de ce que tu ne veux pas. Or ta relation avec lui est réelle. Ne considère pas cela avec crainte, mais avec joie. Celui à qui tu as fait appel est avec toi. Souhaite-lui la bienvenue et honore les témoins qui t'apportent la bonne nouvelle de sa venue. Il est vrai, comme tu le crains, que le reconnaître, c'est nier tout ce que tu penses savoir. Mais ce que tu penses savoir n'a jamais été vrai. Que pourrais-tu gagner à t'y accrocher en niant les preuves de la vérité? Car tu es venu trop près de la vérité pour y renoncer maintenant, et tu vas céder à son irrésistible attraction. Tu peux retarder cela maintenant, mais seulement un petit moment. L'hôte de Dieu t'a appelé, et tu as entendu. Tu ne seras plus jamais entièrement désireux de ne pas écouter. Cette année est une année de joie, durant laquelle ton écoute augmentera, et ta paix grandira avec son augmentation. La puissance de la sainteté et la faiblesse de l'attaque sont toutes deux portées à ta conscience.
Et cela a été accompli dans un esprit fermement convaincu que la sainteté est faiblesse et l'attaque, pouvoir. Cela ne devrait-il pas être un miracle suffisant pour t'enseigner que ton enseignant n'est pas de toi? Mais souviens-toi aussi que chaque fois que tu as écouté son interprétation, les résultats t'ont apporté de la joie. En considérant honnêtement ce qu'ils ont été, préférerais-tu les résultats de ta propre interprétation? Dieu veut mieux pour toi. Ne pourrais-tu pas regarder avec une plus grande charité celui que Dieu aime d'un amour parfait? N'interprète pas contre l'amour de Dieu, car tu as de nombreux témoins qui en parlent si clairement que seuls les aveugles et les sourds pourraient manquer de les voir et de les entendre. Cette année, détermine-toi à ne pas nier ce qui t'a été donné par Dieu. Éveille-toi et partage-le, car c'est la seule raison pour laquelle il t'a appelé. Sa voix a parlé clairement, et pourtant tu as si peu de foi en ce que tu as entendu, parce que tu as préféré mettre une foi encore plus grande dans le désastre que tu as fait. Aujourd'hui, prenons ensemble la résolution d'accepter l'heureuse nouvelle que le désastre n'est pas réel et que la réalité n'est pas un désastre. La réalité est sûre et sans danger, et elle est entièrement bonne avec tous et avec tout. Il n'est pas de plus grand amour que d'accepter cela et d'être heureux. Car l'amour demande seulement que tu sois heureux, et il te donnera tout ce qui contribue au bonheur. Tu n'as jamais confié au Saint-Esprit un seul problème qu'il n'ait résolu pour toi, et jamais tu ne le feras. Tu n'as jamais essayé de résoudre quoi que ce soit toi-même avec le moindre succès. N'est-il pas temps de faire le rapprochement entre ces faits pour en saisir le sens? Voici l'année pour mettre en application les idées qui t'ont été données. Car les idées sont des forces considérables à utiliser et non pas à garder inactives. Elles t'ont déjà suffisamment prouvé leur pouvoir pour que tu mettes ta foi en elles et non dans leur déni. Cette année, investis dans la vérité et laisse-la œuvrer en paix. Aie foi en celui qui a foi en toi. Pense à ce que tu as réellement vu et entendu, et reconnais-le. Peux-tu être seul avec de tels témoins?